épistémique autour d'une idée ou des communautés culturelles dans un sens plus large. Alors, j'ai dit, il ne suffit pas d'avoir une idée nouvelle pour innover, il faut avoir aussi un esprit d'entreprise. Alors, c'est un ingrédient indispensable à l'innovation. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un esprit individuel ou d'une culture collective? Donc, des créatifs, est-ce que c'est la caractéristique d'un individu ou est-ce qu'il y a aussi des territoires créatifs, des secteurs où il y a une culture créative, etc. À un niveau individuel et collectif, mais surtout individuel, ce qu'il faut pour avoir l'esprit d'entreprise, c'est une vision. Une vision, ce n'est pas simplement une connaissance. Une conviction, c'est un pouvoir de gourouter les autres, de se convaincre soi-même et de convaincre les autres. Un sens du leadership, peut-être aussi des sens, des capacités à convaincre et à contourner les obstacles, parce que qui crée quelque chose, forcément, dérange d'autres acteurs. Donc il faut bousculer et il faut être peut-être un peu diplomate ou au contraire agressif, j'en sais rien, mais il faut avoir cette capacité. Tout le monde ne l'a pas. Et puis, même problème pour les territoires. À partir du moment où on va dire qu'il y a des talents particuliers, à la fois en termes de créativité et de volonté de changer le monde, ces talents, est-ce qu'ils existent sur le territoire ou dans l'organisation, plus largement? Où est-ce qu'on peut les attirer? Donc ça, c'est des questions qui intéressent les économistes et les managers. On peut même faire des cartographies de ce genre de choses. Alors, voilà par exemple une carte produite par l'Union européenne qui, par région au sens NUTS 2 pour les spécialistes, en France ce sont les régions habituelles, en Allemagne c'est des morceaux de Länder. Donc sur une carte des régions en gros d'Europe, on peut indiquer le niveau de compétences qui existent en matière de connaissances et donc de capacité à aller vers l'innovation à travers de la connaissance au sens classique du terme. Alors on peut mesurer pour faire ce genre de carte des indicateurs comme je parle le nombre de brevets déposés, ce qui est un indice d'inventivité. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les brevets. Alors de plus en plus, on a utilisé des concepts comme celui de Richard Florida, un Américain qui s'est illustré depuis pas mal d'années pour défendre l'idée que le développement économique se fait à travers la valorisation de talents. Et il propose aussi des indicateurs pour mesurer les talents et ou la capacité des territoires à attirer et conserver les talents. Des indicateurs sur l'ouverture d'esprit, sur... Alors, c'est une carte qu'il réalise pour les États-Unis. L'Union européenne s'est amusée à reprendre les critères de Florida sur les mêmes régions européennes. Ça, c'est une carte qui vient de sortir en juin dernier, à partir des statistiques d'Eurostat. Donc, voilà, ça vous donne aussi une idée de... C'est une carte qui ressemble pas mal à la précédente, d'ailleurs. Mais on peut s'amuser à voir qu'est-ce qui différencie. Vous pouvez voir, par exemple, que Midi-Pyrénées apparaît plus fortement ici que dans la carte précédente, etc. Enfin, on arrive à la créativité. Alors, comme on en a parlé, ou j'en ai parlé beaucoup, il faut peut-être que j'essaye de lui donner un début de définition. Ça correspond au degré d'ouverture à la nouveauté, mais sous toutes ses formes, hein, les idées, les hommes, les pratiques, les ressources, les capitaux. Et là, il y a une bonne définition d'un chercheur de Stenberg et Laborte, deux chercheurs récemment, qui nous expliquent que finalement, la créativité, c'est la capacité de produire un travail qui est à la fois nouveau, c'est-à-dire original et inattendu, mais aussi approprié. C'est-à-dire que si cette nouveauté n'a pas une dimension de pertinence par rapport à un champ, ce n'est pas encore vraiment de la créativité. Alors ça nous amène à parler évidemment des industries culturelles. Alors là, avec Iconoval, on est au cœur du sujet, puisque c'est un réseau qui concerne un certain type d'industrie créative, et je suis convaincu, et c'est tout à fait sur la conclusion de mon topo, qu'autour de l'image, on a presque typiquement tous les ingrédients qu'il faut, enfin c'est presque un modèle de concept autour desquels produire des industries culturelles et créatives.
il faut savoir que pour un économiste, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien de rendre compte de l'émergence des industries créatives, entre autres culturelles, par exemple fondées sur l'image. Mais on attend plus que l'existence de ces secteurs eux-mêmes, on attend la manière dont ces secteurs peuvent, quelque part, féconder l'ensemble du système et contribuer à la créativité, y compris dans les branches traditionnelles. Ça, c'est un enjeu très important et très intéressant. Alors, on essaye de mesurer où elles se trouvent, ces industries culturelles. Bon, en Grande-Bretagne, par exemple, on voit qu'on a une énorme concentration sur Londres et le sud-est de l'Angleterre, qui représente 50% du total de l'emploi de ces industries. En France, on a la moitié des établissements sur trois régions, Île-de-France, Languedoc-Roussillon et PACA, hein, Provence-Côte d'Azur. Mais l'Alsace a certainement une carte intéressante à jouer. Simplement, on ne va pas faire de l'industrie culturelle sur tous les domaines de la culture, mais une des questions qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'autour de l'image, on peut faire exister une spécificité du territoire ? Et quand je dis le territoire, ce n'est pas que l'Alsace, en fait, il faut penser Rhin supérieur. Avec Bâle, un des premiers marchés mondiaux de l'art, avec Karlsruhe, qui est une des villes phares de l'Allemagne en matière d'enseignement, de recherche sur les nouvelles technologies, avec Freiburg, qui a aussi des choses intéressantes à apporter. Voilà, ça, je vais passer rapidement là-dessus, parce que je crois que j'ai déjà épuisé à peu près mon temps, mais c'était des réflexions, cette fois-ci, plutôt d'études des politiques, donc, politiques d'innovation. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des formes de politiques d'innovation qui puissent aider à développer particulièrement les industries créatives? C'est quelques recommandations que nous avions faites dans notre laboratoire, le BETA, en réponse à un appel d'offres de la région Alsace. La conclusion, ben, ce sera ce petit schéma. Il y a quelque chose à trouver, hein, c'est cette intersection, cette interface entre trois mondes, le monde de l'art et de la culture, le monde de l'économie et de la technologie, et le monde de la science et de l'éducation. Ce sont trois mondes qui peuvent être extrêmement fructueux quand ils sont interfacés, mais qui sont aussi des mondes extrêmement différents. Et il ne s'agit pas non plus de les niveler, parce que chacun de ces mondes a ses valeurs, ses modes de fonctionnement, ces formes de créativité qui sont très différentes et qui sont institutionnellement gérées autrement, où l'appropriation de la créativité se fait de manière complètement différente. Je veux dire, publier un article et avoir son nom associé à une idée, ce n'est pas la même chose que de déposer un brevet et ce n'est pas la même chose que d'avoir son œuvre montrée au grand public dans je ne sais quelle exposition ou musée ou spectacle vivant. Bon. C'est des mondes extrêmement différents, et Dieu merci, ils sont différents. L'enjeu, c'est de les interfacer. Si on y arrive, il y a beaucoup, beaucoup à gagner. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, en vous remerciant pour votre attention.